Bonjour, je suis professeur à l'école de bijouterie de la SEPR à Lyon. Je suis monsieur Marquis et je m'occupe plus particulièrement des CAP. Donc le secteur de la bijouterie joaillerie est un secteur assez traditionnel sur Lyon, puisqu'on est le deuxième pôle de bijouterie français, plutôt spécialisé sur la version industrielle. Donc nos diplômes vont du CAP au DNMAD. DNMAD, c'est un bac plus 3. Le CAP étant un niveau technique et le DNMAD étant plutôt sur la partie créative design. Les jeunes qui s'orientent là-dedans sont plutôt des jeunes déjà en capacité technique, manuelle et avec un esprit créatif, bien que ces deux domaines puissent être développés s'il est un peu faible à l'entrée. La structure permet de former 16 élèves par an. Permet à travers des stages en entreprise aux élèves de se rendre compte de ce que c'est que le secteur d'activité professionnelle pure et de se permettre de, je dirais, se concentrer dans le domaine technique et dans le domaine artistique et de comprendre la finalité des cours. Je dirais qu'on est plusieurs centres de formation en France, on a à peu près 12 écoles en France de formation, travaillant soit en alternance, soit en temps plein, soit les deux statuts de formation. Le taux de réussite à l'examen est globalement bon pour l'ensemble des écoles.